Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat et d'insertion professionnelle et de vous aider à renforcer votre développement personnel. Car je suis sûr et je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour rehausser le niveau de ce continent. Alors, le thème de la journée, c'est vraiment de parler de si vous cherchez un stage, comment faire. Donc, ça s'adresse beaucoup plus aux personnes qui s'intéressent, aux étudiants qui sont en première année, deuxième année, troisième année d'université, qui sont à la recherche de stage. Comment procéder? Alors, moi, je peux partager ma petite expérience un peu. Quand j'étais en première année d'université, en deuxième année d'université, pardon, mon premier stage que j'ai eu à Dakar, effectivement, c'était un stage d'un mois, mais je l'ai eu parce que mon père avait un contact au Sénégal qui m'a permis d'avoir un stage dans son petit cabinet de conseil. Bon, donc, vous pouvez passer effectivement par les contacts, les personnes que vous connaissez, mais je ne vais pas vous recommander ça comme premier moyen de recherche de stage. Je vais vous recommander le deuxième moyen que j'ai utilisé en troisième année d'université qui m'a même été soufflé à l'oreille par un ami qui travaille dans les ressources humaines. Alors, en troisième année, c'est que lorsque je cherchais un stage, j'ai fait des dépôts un peu par-ci. Je faisais des lettres de motivation, CV, comme tout le monde. Je cherche une entreprise, un cabinet, je dépose. Quand je pense à un grand cabinet, je visais vraiment plus les grands cabinets d'ailleurs, les grands cabinets Maza, en tout cas les grands cabinets dans le métier de l'audit et de conseil. Et je faisais les dépôts par-ci et par-là, mais vraiment sans être coordonné dans ma démarche. Donc, à un moment donné, je déposais en troisième année, je ne trouvais pas. Puisque en troisième année, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de ma troisième année, je me rappelle, mon père, il m'a appelé, il m'a dit, ben écoute, le master, je ne suis pas sûr de te le payer, donc il va falloir que tu trouves par toi-même un stage ou un emploi pour commencer à travailler. Donc, il m'a un peu donné un coup de boost comme ça, et c'est ça qui m'a motivé, qui a fait que j'ai commencé à chercher un peu plus des stages un peu par-ci. Mais sans forcément avoir une démarche vraiment bien ordonnée, bien coordonnée. Et un ami que j'avais, qui est un ami très proche, qui est dans les ressources humaines, un jour, je lui disais que je dépose, un peu par-ci dans certaines entreprises. Quand je peux, quand je vois un nom, je note, je fais la lettre de motivation, le CV. Quand je vois le nom sur Internet ou dans un journal, je fais la lettre de motivation, le CV et je vais le déposer. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit ça, je ne recevais toujours pas de réponse ou je ne savais vraiment pas par où commencer, en fait, vers où m'orienter parce que je n'avais pas de retour en fait de tous les dépôts que j'ai fait. Au final, il m'a dit, bon, tu sais ce que je peux te recommander en tant que ressource RH, c'est que toi tu es dans la niche des experts comptables, donc tu es comptable là où tu veux, dans quel secteur, dans quel type d'entreprise de façon spécifique tu peux travailler. Donc, de façon spécifique, tu peux travailler dans les cabinets d'expertise comptable. Donc, ce que je te recommande, c'est quoi? Cherche la liste de tous les cabinets d'expertise comptable qu'il y a au Sénégal. Faut la rechercher et identifie chaque cabinet avec les dirigeants du cabinet et fais une lettre de motivation spécifique adressée à chacun de ces dirigeants-là. Et tu l'envoies avec ton CV de façon personnalisée à chaque dirigeant. Parce qu'il m'a dit, en fait, ce que les gens doivent comprendre en matière de recrutement également, c'est que même si vous comptez sur vos parents, sur vos proches, sur vos amis, sur vos contacts, pour vous placer quelque part, pour vous donner un poste ou un stage, en général, ils ne peuvent quasiment rien faire. Les plus menteurs vont vous promettre, vont vous faire des promesses. Chaque fois, vous allez les appeler, ils vont dire, oui, je ne t'ai pas oublié, je vais te revenir. Mais c'est des menteurs. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Ils ne peuvent rien faire parce que, en général, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que
dans une entreprise, le premier dirigeant de l'entreprise, celui qui prend les décisions de recrutement à la base, les décisions de recrutement à la base, c'est le directeur général. Donc, si, vous avez, si, si votre parent, votre ami n'est pas le directeur général, ou un des directeurs plus bas, un cran en dessous, donc un directeur vraiment très proche du directeur général qui a quand même un certain pouvoir dans l'organisation, il sera difficile pour lui de vous placer dans son entreprise, dans l'entreprise, parce que l'entreprise ne lui appartient pas. Donc, en général, les ressources humaines, eux, ils savent ce qui se passe. Eux, ils savent que pour qu'un stage soit donné à quelqu'un, à un étudiant, ou un emploi soit donné à quelqu'un, il faut que le DG, à la fin, valide le recrutement. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez vous faire recruter en stage, prendre en stage ou en emploi, identifiez dans le secteur dans lequel vous êtes les entreprises qui sont dans ce secteur-là. Recherchez les dirigeants de ces entreprises-là. Faites des mails, des lettres de motivation personnalisées à ces dirigeants-là. Et ça va vous permettre de maximiser vos chances d'obtenir le stage ou l'emploi. En général, vous faites ça, mais vous faites aujourd'hui avec le digital, vous faites vos envois par mail. Hein, parce que moi-même, à ce moment-là, je faisais mes envois, j'ai fait mes envois par mail. Quand il m'a dit ça, j'ai pris la liste de tous les experts comptables. Donc, moi, je suis dans experts comptables. Donc, j'ai pris la liste de tous les experts comptables du Sénégal, leur cabinet. J'ai fait un mail à chaque cabinet adressé à l'expert comptable. Et le jour même il m'a dit ça, c'était à peu près vers 19, il m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, je me suis dit bon, je vais essayer, parce que moi j'avais déjà la liste des experts comptables du Sénégal et elle datait de 2013-2012. En tout cas, j'avais une vieille liste, une ancienne liste que mon père m'avait donnée quand il était venu une fois en séminaire, et j'ai pris la liste. Donc c'est cette liste-là, quand il m'en a parlé, j'ai pris la liste et j'ai regardé. Effectivement, j'avais les dirigeants, les experts comptables. J'avais pas toujours leur numéro de téléphone, mais j'avais au moins leur mail. Pour certains, j'avais un mail global, pour d'autres, j'avais leur mail personnel, professionnel. Donc j'ai fait cette nuit-là, quand il m'a dit ça, j'ai écrit, envoyé des mails personnalisés, lettres de motivation personnalisées à chaque cabinet de 21h jusqu'à 2h, 3h du matin. Et tenez-vous bien, je me suis réveillé à 9h. Quand j'ai ouvert ma boîte mail, il y a deux experts comptables qui m'ont répondu. Le premier m'a dit merci beaucoup, monsieur Garba, nous allons vous revenir très bientôt. Et le deuxième m'a dit merci beaucoup, monsieur Garba, je vous propose un entretien demain à 9h si vous êtes disponible. Et je venais d'envoyer peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de mails. Donc, à 40-50 experts comptables entre 21h et 3h du matin. Donc, pour vous dire que ça, c'est un moyen très efficace de trouver votre premier stage. Choisissez la niche. Choisissez là où le secteur dans lequel vous êtes. N'allez pas faire... Je suis désolé. Le stage, c'est vous ne soyez pas désespéré. Si vous avez fait du marketing, n'allez pas chercher un stage en comptabilité. Ne soyez pas désespéré, soyez courageux, acceptez de foncer, aller dans votre niche, dans votre spécialisation, ce pourquoi vous avez été formé. Vous avez été formé au marketing, un cabinet d'expertise comptable ou de finance n'a pas besoin d'un marketeur. Sauf s'il a un département marketing à ce moment-là, communication, oui, et donc d'une certaine taille. Mais adressez-vous aux entreprises qui ont besoin de votre compétence, de vos connaissances en marketing. N'allez pas postuler dans des endroits où on n'a pas besoin de votre compétence. Ne soyez pas désespéré. Vous n'allez pas étudier la logistique et aller envoyer votre CV à un cabinet d'expertise comptable. Vous n'allez pas étudier la finance et envoyer votre CV à un... dans des entreprises où, qui ne sont pas en adéquation avec vos postes, avec votre profil. Donc, ayez le courage de... Vous avez choisi une discipline, une filière, à moins que vous vouliez changer. À moins que vous vouliez changer ou que vous ne soyez pas passionné par le domaine ou que donc vous aviez mal choisi votre filière au départ. Donc, soit vous réorientez votre carrière et là, effectivement, votre premier stage, vous pouvez faire ça dans un autre domaine, dans le domaine qui vous passionne. Ça, c'est normal. Mais si c'est votre domaine qui vous passionne, c'est votre domaine, c'est ce que vous avez choisi. Vous avez été formé pendant 3 ans, 5 ans dans ce domaine. Postulez que dans les endroits où vous allez être pris parce que c'est là-bas qu'on a besoin de vous. Je suis d'accord, il n'y a pas assez d'emplois pour recruter tout le monde.
Mais au moins, faites la différence déjà en, vous, en visant les peu d'entreprises qui sont là. Allez, faites des mails personnalisés, rendez-vous sur place et essayez de rencontrer les dirigeants. Vendez-vous. Évitez également, s'il vous plaît, et je reçois des mails de personnes qui envoient des CV sans même se présenter. Vous envoyez des CV, vous ne dites même pas bonjour Monsieur Garba ou Monsieur X. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis tel étudiant tel. Vous devez apprendre à écrire des mails professionnels. Vous écrivez à un dirigeant d'entreprise. Soyez professionnel. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux en stage? Soyez professionnel. Écrivez des mails professionnels. N'écrivez pas des mails avec des fautes. N'écrivez pas des mails comme si vous écriviez à votre camarade de classe. Soyez professionnel. Si vous savez que vous ne savez pas bien parler français ou bien écrire français, alors appelez un de vos amis qui sait écrire pour qu'il relise votre test. Au moins, faites relire vos tests avant de les envoyer. N'envoyez pas des mails aux gens, même si vous écrivez. Donc, un, recensez, restez dans votre secteur, en tout cas le secteur de vos prédilections dans lequel vous vous sentez à l'aise, où vous avez étudié. Deux, recensez toutes les entreprises dans ce secteur-là, dans votre pays. Trois, prenez le mail et les contacts du dirigeant. Quatre, envoyez un mail professionnel. C'est-à-dire que préparez d'abord un CV et une lettre de motivation propre, sans faute, s'il vous plaît. Et faites corriger, s'il vous plaît, vos écrits. 5. Envoyez un mail professionnel, sans faute. C'est pas votre camarade, c'est votre employeur, futur employeur. C'est pas votre camarade, s'il vous plaît. Donc, essayez d'être professionnel. Essayez d'envoyer des mails professionnels. Deuxième astuce également, et ça c'est une amie qui l'avait, moi je ne l'ai pas exploité, je n'ai pas eu à utiliser cette astuce, mais j'ai une amie qui, pour avoir son premier stage, a fait preuve d'une audace sans pareil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait un stage à la B6. Elle est rentrée, donc BNP Paribas, filiale de BNP. Donc elle voulait un stage à la B6. Elle a pris sa lettre de motivation, son CV. Elle est arrivée à la B6. Elle a vu okay, le gardien, les agents de sécurité. Elle a dit qu'elle demande la direction des ressources humaines. On lui a demandé, oui, vous avez rendez-vous? Elle dit, oui, que j'ai rendez-vous avec le directeur des ressources humaines. Alors, on lui montre le chemin. On l'amène devant la porte du directeur des ressources humaines et elle s'assoit. Et les gens passaient, il y a une dame qui est passée qui demandait, ah madame, vous cherchez quelque chose? Elle dit, oui, j'ai rendez-vous avec le directeur des ressources humaines. Il m'a donné rendez-vous. Le directeur des ressources humaines, ce faisant, était parti en réunion. Donc, de la B6, hein, le DRH de la B6 était parti en réunion. Donc, il s'est fait que c'est quand il est revenu qu'il a croisé la fille devant sa porte. Et la fille maintenant, donc c'est une de mes amies, le monsieur lui a dit, ah madame, vous cherchez quoi ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et elle lui dit vraiment, excusez-moi monsieur, c'est vous le directeur des ressources humaines? Il dit oui, c'est bien moi. Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses. J'ai fait preuve d'une certaine audace, je ne devais pas le faire, mais il fallait que je le fasse si je voulais avoir l'opportunité de vous rencontrer en personne. Je cherche un stage, je suis étudiante en tel, et c'est présenté. Je m'excuse d'avoir quelque peu menti à vos agents de sécurité pour venir jusqu'à votre porte, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir vous parler, ne serait-ce que quelques secondes ou quelques minutes, vous présenter mon CV et vous défendre mon profil. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est une bonne approche, mais essayez de l'utiliser de façon intelligente. C'est intéressant également cette approche. Elle est assez audacieuse. Tant que vous le faites dans le respect des dirigeants, des personnes, c'est pas mal. Ça vous permettra également de démontrer votre motivation, de montrer votre personnalité, votre capacité à prendre des initiatives, même si vous pouvez vous prendre la porte. Ça ne gêne pas d'essayer des choses. Il faut essayer pour pouvoir réussir. Donc, ça, c'est une autre astuce également que je vous donne
faut pouvoir essayer même de rencontrer les personnes qui sont dirigeants dans certaines entreprises et essayer de leur parler, de leur présenter votre CV, de leur expliquer les atouts que vous avez. Et dernière chose, ne venez pas également dans la posture du demandeur, seulement du demandeur. Essayez de venir dans la posture de quelqu'un qui peut apporter à l'organisation. Et pour venir dans la posture de quelqu'un qui peut apporter à l'organisation, ce que vous pouvez faire, vous êtes stagiaire, vous n'avez pas d'expérience. C'est évident que il est difficile à ce moment-là de dire à une entreprise que vous pouvez lui apporter quelque chose de concret. Mais de façon réaliste, ce que vous pouvez apporter à une entreprise, si vous êtes en début d'expérience, vous n'avez pas grand-chose à apporter techniquement, vous pouvez apporter votre fraîcheur, votre dynamisme, votre engagement, votre disponibilité, votre sérieux, votre professionnalisme, votre sens du travail bien fait. Vous devez parler ou bien communiquer, si vous avez la chance de rencontrer ces dirigeants, communiquer avec eux en leur faisant ressortir ces valeurs-là que vous avez, ces qualités-là que vous avez, en leur proposant même de leur faire, de venir même en stage, même non rémunéré. Si vous voulez vraiment le stage, proposez-leur même de venir pour un stage dans leur entreprise non rémunéré. Vous leur proposez de vous mettre à l'essai un mois, de façon que vous ne voulez même pas qu'ils vous rémunèrent, que ça ne dépend que de leur politique de rémunération. Que ce qui vous intéresse, c'est que s'ils ont des activités, des tâches à vous confier, qu'ils vous les confient. Que vous êtes prêt dans ce domaine-là précisément, qui est votre domaine de formation. Vous avez été formé pour ça. Et vous pouvez leur donner même les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes, les nouvelles normes dans la profession, dans le métier, pour leur dire, aujourd'hui par exemple, quand on parle de marketing, aujourd'hui il y a le digital. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en marketing peuvent venir voir des entreprises et leur dire, écoutez, nous on a vu pour les aspects sur le marketing digital, vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire comme ça pour développer votre image de marque sur les réseaux sociaux. Si vous avez fait finance, vous pouvez venir parler à l'entreprise des nouvelles normes Cisco ADA à réviser, des nouvelles normes IFRS, de comment cela peut avoir une incidence sur les états financiers, comment poser à la question avec le dirigeant, comment vous avez traité ça chez vous, est-ce que je peux travailler avec vous pour participer. C'est dans cette approche-là que vous devez venir en tant que stagiaire, quand vous avez la chance de rencontrer un dirigeant de l'entreprise. Et c'est comme ça que vous allez obtenir votre premier stage. C'est comme ça que vous allez obtenir votre premier emploi. Soyez disponible, sérieux, engagé, motivé et impliqué. Donc, c'est les conseils que je peux vous donner si vous voulez facilement. En tout cas, ce n'est pas si facile, mais au moins si vous voulez trouver votre premier stage ou décrocher votre premier emploi en entreprise. Donc, j'espère que cette vidéo pourra aider beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui sont à la recherche de stage et qui veulent faire leur carrière, qui ont choisi un métier, qui sont passionnés par ce métier. Encore une fois, je dis toujours et je le redis, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, le salariat, c'est pas une mauvaise chose. Ce qui est important si vous choisissez de faire carrière, c'est de pouvoir être passionné et aimer ce que vous faites. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que cette vidéo sera utile pour tout un chacun, en tout cas pour ceux qui sont concernés. Et